Chaque jour, des jeunes gens semblables aux personnages de ce film arrivent dans les villes d'Afrique. Ils ont abandonné l'école ou le champ familial pour essayer d'entrer dans le monde moderne. Ils ne savent rien faire et tout faire. Ils sont l'une des maladies des nouvelles villes africaines, la jeunesse sans emploi. Cette jeunesse, coincée entre la tradition et le machinisme, entre l'islam et l'alcool, n'a pas renoncé à ses croyances, mais se voue aux idoles modernes de la boxe et du cinéma. Pendant 6 mois, j'ai suivi un petit groupe de jeunes immigrés nigériens à Trècheville, faubourg d'Abidjan. Je leur ai proposé de faire un film où ils joueraient leur propre rôle, où ils auraient le droit de tout faire et de tout dire. C'est ainsi que nous avons improvisé ce film. L'un d'eux, Eddie Constantine, fut tellement fidèle à son personnage, Lamy Cushion, agent fédéral américain, qu'il fut, en cours de tournage, condamné à 3 mois de prison. Pour l'autre, Edward G. Robinson, le film devint alors le miroir où il se découvrait lui-même. L'ancien combattant d'Indochine, chassé par son père parce qu'il avait perdu la guerre. C'est lui le héros du film, je lui passe la parole. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous présente Trècheville. Enfin, vas-y Trècheville. Trècheville. Nous vous montrerons ce que c'est que la vie de Trècheville et ce que c'est que Trècheville en personne. Bord des lagunes, rempli des parfums, milieu des rosiers, l'amour vous bercer. Abidjan, quand on dit ton nom, Abidjan de lagune, beau séjour. La 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 la. La 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 la. Il y a 3 quartiers à Abidjan. Le vieux quartier africain d'Adjamé, le quartier industriel et commercial du plateau et, de l'autre côté de la lagune, le nouveau quartier africain de Trècheville. C'est à Trècheville qu'habite Edward J. Robinson. Et si, aujourd'hui, il est venu au plateau, c'est dans l'espoir vain d'y trouver un travail. Non, je ne m'appelle pas Edward G. Robinson. C'est un surnom que j'ai appris, que les camarades m'appellent. Ils me surnomment Edward G. Robinson parce que je ressemble à un certain Edward G. Robinson quand je dois le film au cinéma. Je ne dis pas mon vrai nom parce que je suis étranger d'ici Abidjan. Je suis venu du Niger, à 2000 km d'ici Abidjan. Ma ville natale, c'est Niamey, capitale de la colonie du Niger. Nous sommes venus ici à Abidjan pour chercher de l'argent. Et nous sommes beaucoup, nous sommes au moins une centaine de jeunes gens qui sont venus ici. Viens te tromper par le dire des gens qu'Abidjan on trouve de l'argent. Où est l'argent? Moi, je n'ai que 25 francs en poche. Les autres en ont des millions et consorts. De l'argent. Non, je n'ai rien gagné. Je suis manœuvre journalier actuellement. Je ne fais rien seulement qu'à fatiguer, à peiner, à venir comme ça. Si je savais que c'était ainsi Abidjan, eh bien, je ne viens pas à Abidjan, moi. Parce que j'en ai marre, moi, de vivre toujours manœuvre, 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 n'être rien que manœuvre. Rien que cette mauvaise vie, mon vieux. Si je savais que c'est ainsi que je vais vivre à être rien que manœuvre journalier, ben merde. Puis merci. Abidjan est bien, paraît-il. Il faut maintenant rentrer dans la vedette. Dans les 25 francs que j'ai, il faut encore ôter
5 francs. Il ne me restera que 20 francs pour acheter akéké et avocat. Ah, mais mon Dieu, que la vie est compliquée, que c'est triste. Il y a d'autres qui sont bien logés, qui sont bien nourris et qui habitent même près de Dieu parce qu'ils habitent à 12 étages peut-être même. Et moi, j'habite de l'autre côté. J'habite à 13 villes et nous sommes logés dans des cases, dans des maisons et qui ne sont pas bien faites comme celles des autres. Nos vies sont différentes. Je descends de la vedette et je m'en vais vers Trècheville. Trècheville. Oui, voilà Trècheville. Abidjan, quand on dit ton nom, Abidjan de lagune, beau séjour. La 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 la. Le marché à 8 heures, Abidjan de lagune, beau séjour. Et les jeunes filles, à la mort, tcha tcha tcha. Abidjan de lagune, beau séjour. En disant chérie, au rendez-vous de ce soir, nous les rejeterons au bas de l'ambiance. Oh, encore un accident. Il y a toujours des accidents à Trècheville. Mais ça ne fait rien. On est comme des Américains. Pour nous, les voitures ne durent pas plus de 2 mois. C'est pour ça qu'il y a la pagaille. Tiens, les toutous. Les toutous sont des femmes qui se laissent faire à 200 francs la sécousse homme et 100 francs la sécousse pour enfant. Et bonsoir, madame, je reviens tout à l'heure ce soir. Évidemment, c'est de l'argent, mais j'en ai pas. Je peux faire. En tant que pauvre, mais merde. Même le toutou, on n'est pas capable de les payer. Si arrivé chez moi la fraternité nigérienne, nous sommes au moins une vingtaine dans cette petite maison, là, dans cette petite cagna. Voilà où on loge. La fraternité nigérienne. Chaque jour de la semaine, c'est la lutte de Robinson et de ses amis pour le travail. Bagages qui portent n'importe quoi, à n'importe quel prix. Coxeurs, racoleurs de passagers sur la gare routière. Colporteurs, marchands de tissus venant du Ghana. Mouilleurs, dockers de bois tropicaux. Ou comme Robinson et Elite, Bozori. Manœuvre journalier, à la merci des besoins des employeurs. Qu'importe, le soir, on partagera les gains de la journée en les jouant aux cartes. Et tous les jours, c'est pareil. Voilà encore un nouvel étage à jamais. Oh, il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours quelque chose de merveilleux. Mais pour moi, rien de bon, rien de merveilleux. Pour moi, toujours, la vie est triste. Voici des amis, voici des copains. Mon cher, eh bien, je crois que la vie pour moi, c'est pas pour toi seul. Pour nous tous, toujours c'est comme ça. Toujours il faut fatiguer, ranger les routes et tout ça là. On est tous presque du même pays. Ce sont toujours des Nigériens qui font les mêmes conneries. Bonjour petit Gilles, comment allez-vous? Ça va bien? Ça va. Mon copain petit Gilles, lui, il est coxeur. Bonjour Tarjan. Quant à mon copain Tarjan, c'est un chauffeur de taxi. Mon vieux, être taximan, c'est quelque chose, surtout dans Trècheville, le Chicago de l'Afrique noire. Bonjour Eddie Constantine. Quant à mon copain Eddie Constantine, c'est un colporteur, un commerçant de tissu, mais
Et pareil qu'on s'en fout de Naira, pareil. Cela n'a aucune importance. Avec Eddie Constantine, les femmes s'en balancent. Né malin, toujours en forme, Eddie Constantine. La 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 la. As-tu vu Adèle, tcha tcha tcha. Ah, Dorothy d'amour. Dorothy d'amour, voulez-vous payer des pailles? Jolies pailles de Kumasi. Les pailles qui n'existent pas ici en Côte d'Ivoire. Si vous voulez être à la mode, payez des pailles. Pailles de Kumasi. Des jolies pailles. C'est pas l'argent. Ce paille-là coûte 2000 francs la demi-pièce. Et comme vous êtes très belle, Dorothy d'amour, je vous donne à 1500 francs seulement. Regardez en dedans, voilà. Jolie paille. C'est la mode 57 et si vous voulez payer, payez. Si vous voulez être à la mode, si vous voulez bien danser au désert, si vous voulez que les garçons vous adorent, si vous voulez être admiré par les gens, payez les pailles de Kumasi. Dorothy l'amour. Oh, que tu es belle. Dorothy l'amour. Bon, voilà. Ce que je veux dire, eh bien, je te dirai ça tout à l'heure. Cela veut dire que vraiment, Dorothy l'amour, je vous dis la vérité, je vous aime. Mélodie tendre qui s'envole vers toi, ma chérie, a fait de te prendre. Oh mon amour, Abidjan, quand on dit ton nom, Abidjan du Lagune, beau séjour. Ouais. Eh ben c'est ça. Ben c'est fini, maintenant allons faire affaire. Dorothy l'amour, allons à la maison. Enfin, nous allons voir cela, comme je vous aime, ben, nous allons faire affaire dans la maison et je vous donne une demi-pièce cadeau. Si Eddie Constantine a toutes les femmes qu'il aime, pour mon ami facteur, c'est autre chose. Mon cher, trop du boulot, jamais de repos, toujours sous les abîmes plongés, à la mer, sur les billes, on se blesse, on saigne. Par contre, je fais seulement le manœuvre journalier au port. C'est mon travail. Il faut toujours aller faire le manœuvre journalier, le beaux-arrivés. Élite, comment allez-vous, mon cher Élite? Vous voyez que ça ne va pas, mon cher ami. Moi, vraiment, dans le camion, là, j'ai essayé d'avoir du travail, j'ai pas eu. Alors, puisque j'ai pas eu du travail, mon jeu, bon, intérêt. Non, tu n'as pas eu du travail. Non, je n'ai pas eu, mon cher ami. Ah, on y va, il nous casse la gueule ce type-là. Il nous fait chier, tu sais, il y a toujours des tas de merde comme ça, des gens comme ça. Même si on n'a pas eu de travail, il y a les copains qui nous donnent de quoi manger. Même des jours qu'on a eu le travail, on va te charger des sacs de café qui vont partir pour la métropole. Allez, tiens. Allez, tiens, 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 tiens. Voilà, allez, prends-le, prends-le. On est fait pour ça, mon cher. Regarde-moi tout ça, regarde ça. C'est bon. On est fait pour rien que pour des sacs, des sacs, des sacs, des sacs. Et voilà. Tomber dessus sur la tête, c'est le devoir, ça ne fait rien. Pour nous, la vie, c'est comme ça, les sacs. La vie des sacs. À midi, eh bien, il faut descendre. Maintenant, il faut partir vers l'hôtel de Beaux-Arrivées. L'hôtel de Beaux-Arrivées, c'est un hôtel spécial pour nous autres, les Beaux-Arrivées. C'est l'hôtel des pauvres. Vous pouvez trouver le plat à 15 francs seulement. Mais il faut, avant de partir, se laver les mains. Il faut qu'on se lave les mains avant tout, et puis les pieds. On ne va pas aller faire peur aux femmes vendeuses du riz. Tiens, dépêche-toi, Élite, hein, il faut qu'on aille. Hein. Donc, tu sais, les autres peuvent prendre
C'est la femme, là, vous savez, Mariam, qui vend le bon riz, là. Si on fait pas vite, hein, ben, les autres vont s'en occuper, puis on est perdu. Dépêche-toi, allez, tiens, viens. Et ces gens-là qui nous emmerdent à la rentrée, pourquoi la structure ne nous arrête pas? Parce qu'ils savent qu'on sort. On y va, on y va, on y va. Allez, 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 oh, oh, les gens là, ils sont bombés. On y va seulement. Mais avant de partir, disons, on va acheter 5 francs de cigarettes, quoi. 5 sous. Et pour 5 francs, c'est suffisant. Oui, nous possédons même une somme de 40 francs. Oui, mais qu'il se dépêche avec à nous donner la monnaie. On y va. Tiens, allez, on y va, allez. Allez, les autres sont riches. Ils rentrent en bicyclette, en vélo moteur à la maison. D'autres rentrent par voiture et tout, par moto, par vélo moteur. Tandis que nous, les Beaux-Aris, on va à l'hôtel de Beaux-Aris, on ne part pas à la maison, non. Et nous achetons pour 20 francs du riz et c'est suffisant. Donnez 2 cuillères, je ne suis pas seul, je suis avec un ami, madame. Vous savez, on est 2 et puis on mange calmement. Vous savez, on n'est pas trop dangereux. Avec ça, ça va. 20 francs du riz. D'autres, par exemple, sont riches. Et vont acheter le pain, 10 francs le morceau et puis 25 francs la chardine. Un verre de siromante, 5 francs le verre. Et les autres plus riches, ils achètent la bouteille d'eau qui est tip-top à 15 francs. Et du Constantine, agent fédéral américain, lui n'est pas comme nous autres. Un agent fédéral américain ne va pas manger à l'hôtel de Beaux-Aris. Il va manger dans un restaurant, aliment superbe et bon service. 75 francs le plat. Tandis que nous, pour tous les deux, on a mangé pour 20 francs. Après avoir fini manger, il nous faut acheter des noix de cola comme dessert. 3 noix de cola à 5 francs. Et après maintenant, il faut aller se reposer. Il ne faut pas qu'on parte à la maison, parce qu'avant de partir, on va perdre les minutes. Il va falloir coucher au bord du trottoir, au bord des machines, sous les ombrages des arbres, des mangues. Il fait bon ici, c'est ici qu'on va se coucher. Dans 2 heures de temps déjà, on va reprendre courage. Il faut dormir. Et voilà. Je rêve d'avoir un jour, moi aussi, comme tous les autres hommes, comme tout le monde, comme tous ceux qui sont riches. Je veux avoir aussi une femme, une maison, une voiture. Et le désert élite. Le travail va recommencer. La petite Violette est venue. Maintenant, pour retourner au travail, il faut aller plus lentement, non pas plus vite. Ne te presse pas, élite. Allons-y trouver nos camarades, les sacs. Les sacs sont pour nous des amis. C'est toujours les sacs. C'est lui qui est notre ami. Élite, si je te dis quelque chose, tu ne vas pas me croire. Dans la vie, j'en ai vu tout. J'en ai vu aussi presque toutes les villes d'Europe. Tu as vu Rouen? J'ai été là-bas. Je connais tout. J'en ai vu tout, moi. T'as vu la Rochefort? C'est une belle ville. Hambourg. J'ai été dans toutes ces villes et j'en ai dans toutes ces villes-là. Et bien, je peux te dire que avec les femmes, hein, bien, j'ai fait tout. À Oslo, par exemple, mon Dieu. J'ai fait tout. Et puis, pour l'histoire des femmes, à pas te raconter, tu peux savoir quoi, l'histoire qu'on se fait, quoi. Ça a très bien marché. Non, franchement, ça réussit. Je te dis que ça réussit. Ça réussit, élite, mon cher. Mais rien à faire. Actuellement, c'est manœuvre. Mais avant, je n'étais pas manœuvre, j'étais cravaté et tout, j'étais un grand monsieur. Hein? En ce moment, j'avais là 18 ans. Viens, élite. Il faut que je te fasse comprendre. Tu as vu ça? Ce sont des fleurs. C'est ça qu'aiment les femmes blanches. Elles aiment trop ça, ces fleurs-là. Élite, mais tu peux croire. Elles aiment ça. Ces fleurs-là, ça leur plaise. Avec les fleurs, tu n'as pas besoin de l'argent. Tu sais ce que tu vas réussir avec ça? Tu peux dire. On y va, mon cher. Allez, bonsoir tout le monde, je suis venu. Comment allez-vous? Il y a tellement... Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez aux cartes? Ça, c'est le premier boulot. Je sais que même si je n'ai pas eu de travail, on va jouer à la carte et dans cela, je peux avoir de quoi manger. La somme est de 800 francs. Mon vieux, si on gagne les 800 francs, ça fait combien de journées de travail? 4 journées de travail, mais mon vieux, c'est trop ça. Tiens, Elite a gagné. C'est bien ça, Elite. Ça, c'est bon. Vas-y, allez, vas-y, ne l'écoute pas, Elite, vas-y. N'écoute pas ses discours. N'achète pas ça, Elite, vas-y. Allez, sauve-toi, laisse ce gazier-là. Allez, vas-y, va. Mon vieux,
J'en ai marre. Moi, j'ai pas la chance. Pour moi, c'est toujours comme ça. Il faut aller voir les jeunes filles maintenant. Ah, merci. Alors, comment allez-vous? Allez, écoutez, vous savez que moi, je vous marie tous. Tous, autant que vous êtes, je vous marierai toutes. Hein? Et puis, d'autre part, mais, attendez, mais si je pars au port et si j'ai eu des petits objets, des petits cadeaux, mais je vous emporterai, moi, des objets. Je vous emporterai aussi des... Enfin, je vous donnerai de l'argent, voilà. Bon, écoutez, maintenant, il faut aller voir maman. Je ne sais pas si elle va me donner les allocos, elle ne me donne pas. Maman, l'histoire est forte. Aujourd'hui, je n'ai rien. Oh, c'est cher. Mon vieux, que c'est cher. C'est combien pour 5 francs? 5 seulement? Ah, ben, mon vieux chapeau de brousse. Et à 6 heures, on va à la rue 12. Bar ambiance. Et moi, je ne pars pas au bar ambiance pour danser. Je ne suis pas un danseur. Les danseurs, ce sont ceux qui sont heureux, ceux qui vont faire le cowboy et tout ça. Non. Je ne pars pas à la rue 12 pour danser. Je pars pour autre chose qui n'est pas la danse. Car je viens ici, ce n'est pas pour autre chose. Je suis venu ici pour apprendre à boxer, à être un boxeur comme les Benjamin Dembélé. Eh bien, je crois que enfin, je suis en forme. Hein? Et dans un moment, je pourrais disputer un titre de championnat. Je crois que maintenant, ça peut y aller. Julius Millet, d'argent, mon grand ami, mon grand copain. Lui, c'est un boxeur professionnel. Je vous ai dit qu'il ne s'appelle pas d'argent pour rien, c'est parce qu'il est boxeur. Vous voyez comme il balance le sac, comment il le frappe. Et il lui faut chaque semaine un nouveau sac. Non, mais d'argent est fort. Franchement. Mais je veux vraiment être comme d'argent, mais il n'y a pas moins. Il n'y a rien à faire. Le samedi après-midi, Trècheville revit. Aujourd'hui, tout est possible. On part à la plage, on va à la boxe, on danse, on rêve éveillé. Mais aujourd'hui, c'est samedi et... Le samedi, même les manœuvres ne travaillent pas. Comment allez-vous? Ça va très bien, mon cher ami. Eh bien, aujourd'hui, ça va bien, je crois. Parce que le soir, on ne va pas travailler, c'est samedi soir. Il faut replier les manches, je crois que ça va barder. Et dans un moment, ça peut coster même. Eh bien, ça va, nous allons voir. Attendez, tiens, qui arrive là? Cet argent, c'est le taximan. Cet argent qui arrive. Targent et taximan. Comment allez-vous, Targent? Ça va bien. Attendez-moi. Je vais m'habiller, Targent. Et il faut honorer son col surtout avant de partir. Hein? Au revoir, je m'en vais. Surtout, faites pas d'histoire. Hein? Je sais que vous avez l'habitude de faire des histoires. Ne faites pas toujours des histoires. Hein? Au revoir. Mademoiselle Dorothy Lamour, comment allez-vous? Ça très bien. Jeanne Targent. Targent doit être heureux aujourd'hui, puisqu'on part à la plage avec Jeanne. Allons-y. Targent. Oh non, pas d'accident, c'est pas toujours d'accident, mon cher, aujourd'hui c'est samedi soir. Laissez-nous libres, nous devons être libres aujourd'hui, c'est samedi soir. Non, faut pas aller 120 à l'heure d'argent, allez-y un peu plus doucement.
Je sais que vous êtes content parce qu'il y a Jean dans la voiture. Ah bon, nous, Magnou, tu y a quoi? Nous, dangereux. Défense de doubler, Tarjan ne double pas. Oh, il fait seulement que des choses interdites. Oh, c'est parce qu'il y a Jean, évidemment, c'est pas étonnant. Essaye pas de doubler la jeep, Tarjan. Porboué. Voici la mer. Beaucoup, je ne sais pas combien de mille fois, beaucoup de même des millions de fois plus grand que le Niger. Tarzan n'est pas content, ça. Boy, oh, tu m'as ravalé son gars, boy, quoi? Oh, boy, physique n'est pas bon, cassé. Jean, moi, Tarzan n'est pas content de parler. Vraiment, cet argent. Non, mais cet argent. D'argent, l'homme change. Ah bon, ben, nous, Magnou, tu y a quoi? Nous, dangereux. Ah non, mais mon vieux, la mer est trop forte, ça fait trop de bruit. Il faut aller à la rizière, dans l'autre côté, voilà. Là, l'eau est calme. Ici, c'est bien, c'est plus mieux que dans la mer. Ça me rappelle le Niger. Ici, c'est bon comme le Niger. Tout le monde est gay et moi je suis triste. Je connais la cause. C'est parce que pour moi, tous les jours ne vont pas durer comme ça. Pour moi, c'est seulement le samedi soir que je suis heureux. En dehors du samedi soir, toute ma vie est troublée. Ma vie ne va pas toujours durer comme ça. Pour moi aussi, il faut quelque chose. Dorothy, l'amour, tu vois. Il faut que moi aussi, j'ai une femme. Et aussi plus tard, des enfants. Il faut que je sois moi aussi un homme heureux, comme tous les autres. Bientôt, je serai peut-être boxeur. Et je me nommerai Rashida Robinson. Et j'aurai pour ménager Mega Alassane, Tarjan Junius Millet. Je rencontrerai Hogan Kid Bassé, le champion du monde. Et nous ferons un combat de poids plume en 15 minutes de 3 secondes. Et puis hein, il faut le jouer à droite, gauche, gauche, gauche. We'll be right back.
très bien. Bien, bien, bien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Là, je reprends le titre champion du monde des poids plumes. Bravo Dodo, bravo Robinson, bravo champion du monde. Voici ce que je rêve d'être. Le champion du monde des poids plumes, Rashiga Robinson. Oh malheureux. Je ne suis pas un boxeur, c'est seulement un rêve. Et voici les vrais boxeurs. Samedi soir, après la boxe, c'est la danse. Heureusement, il y a Tarjan qui va nous payer la rentrée. L'agent fédéral américain. Tiens, les Corse, agile, heureux, c'est toute la nana. Et moi, mon Dieu, je suis triste. Enlevez, laissez-moi la bière. Donnez-moi à boire pour pouvoir être un peu. Il faut que je bois. Où est la bière? Allez-y, derrière. La bière, la bière. Donnez-moi la bière. C'est difficile, donnez-moi à boire. Donnez-moi à boire. Mon vieux, c'est... ça va bien. Ah ben, donne-moi à boire. Bon sens. Eh bien, mon vieux, ici, quand on a 100 francs, on a une femme africaine bien, qui a les fesses bien balancées, et puis avec 1000 francs, une belle plage. Venez avec moi, non? Oui, non, pour la oui, pour la soirée d'aujourd'hui seulement. Christian, l'argent encore? Quoi, l'argent? Ah, pour vous autres, toujours l'argent, toujours l'argent, toujours l'argent. Là, c'est mon vieux. Eh bien, l'argent. Oh. Abidjan. Quand on dit ton nom, tous les cœurs frémissent au son de ta rumba. Il y a des belles filles. Je vous laisse votre parrain, espérance moi. Dans 5 minutes, moi je m'en vais. Je commence à en avoir chier cette merde. Toujours l'argent. Pourquoi il faut toujours l'argent? Toujours l'argent. Mais j'en ai marre. Ce soir encore, il faut que je reste seul. Pour moi, il faut que je reste toujours seul moi. Bon, ça va, ça ne fait rien, je resterai seul. Le dimanche, on essaye de réaliser les rêves de la veille. Que l'on cherche bonne fortune, comme Constantine, ou que l'on demande l'aide de Dieu, comme Robinson, on se retrouve le soir à la Goumbé. La Goumbé est la vraie famille de ces étrangers. On y partage tout, les rêves du Far West et les rythmes traditionnels. C'est le seul moment où l'on est soi-même parmi les siens.
Et si l'on est élu roi et reine de Goumbé, comme Constantine et Nathalie, on devient alors des héros de Trècheville. Et tant pis pour les autres. Le lendemain de samedi, c'est dimanche. Moi, Élie Constantine, l'ami cochon, agent fédéral américain, je vais à la mission pour visiter les jeunes filles qui viennent. Je suis un catholique, père et mère, mais à vrai dire, je ne suis pas un catholique, je suis un musulman. C'est pour les femmes que je vais à la mission, pour les voir, pour les adorer. Je suis trop amoureux. Moi, j'aime les femmes. Par exemple, je sais qu'à la mission, il y a une population, il y a tout le monde, il y a les femmes qui viennent, je veux regarder. Ça me plaît beaucoup. Voilà, par exemple, une jeune femme devant moi. Oh, mais celle-là, elle est vieille. Pourtant, je l'aime. Ça fait rien. Une jeune fille, là, mais elle est trop petite. Ah, tiens, la voilà une. Celle-là, c'est une pommade. Je vais te voir ce soir. Tiens. Vous croyez que je vais dormir seul aujourd'hui? C'est pas possible. Alors, après ça, qu'est-ce que tu fais? On va chez moi et on passe l'amour directement ici. L'amour Félix, laquelle tu déchires? Tiens, tout va bien. En ce moment-là, moi et les Constantine, je suis toujours en forme. Ah tiens, coiffeur, mode, casino, Santiago, Azazu, ordinaire. Non, je veux... Ah, on a un couillon qui donne à la porte. Ah tiens, voilà. Qu'est-ce que veut dire cette mode-là? Tiens, tcha-tcha-tcha. Ouais, je vais me coiffer comme ça. C'est la mode qui existe ici en Côte d'Ivoire. C'est la plus belle mode. Comme je suis un galant, alors tout le monde se coiffe. Tcha-tcha-tcha, je dois me coiffer aussi. Tcha-tcha-tcha. Il dit Constantine lui est parti chez le coiffeur, tandis que pour moi, non. Malgré tout, malgré toute la pauvreté, malgré le tout, on arrive quand même un jour à s'habiller pour aller à la mosquée prier. Il y a vraiment beaucoup de mosquées à Trècheville, mais elles sont trop petites. On est forcé de prier sur la rue, surtout comme aujourd'hui, une journée de fête. Et si on n'a pas un pot de bouc, on a quand même une Dorothy l'amour. Qui te donne au moins son mouchoir de tête sur laquelle faut-il se mettre pour faire la prière. Dieu le grand, Dieu le créateur, que Dieu me donne aussi de l'argent comme tout le monde. Je prie pour que Dieu me donne de l'argent, qu'il me donne la fortune, le bonheur. Allahu Akbar, la vie c'est comme ça. La vie ce n'est que ça. Moi, je n'ai pas de beaux costumes comme ces gens-là. Eux sont bien habillés, ils sont dans des grands boubous, dans des amples boubous. D'autres ont des parapluies, des turbans. Moi, je n'en ai pas. Dieu est grand. La vie, c'est ainsi. Les autres, par contre, font leur affaire politique. L'augmentation de solde et consort. Pour moi, il n'y a pas de solde. C'est toujours mané au journalier et je gagne 200 francs seulement par jour.
Il y en a qui votent, il y a même beaucoup qui votent. Mais moi, je ne vote pour rien, pour personne. Je ne vote pas. Je suis tout seul. Je m'en fous de rien et je resterai seul. Puisque c'est Dieu qui a décidé, Dieu veut que je sois seul et je resterai seul. Et moi aussi, Eddie Constantine, les mi-cochons, agent fédéral américain, je m'en fous du vote. Ultimement, je préfère aller au match de football. Le sport et l'amour, c'est ce qui m'intéresse. Voilà qui est le match. ASEC Africa 2000 plutôt. Tiens, Hassan passe à Braco, chose à Hassan et Hassan passe à, comment dirais-je. Tiens, tiens, hop, un but, attention. Rustico dégage. Attention, attention. La GIA. Tiens, c'est qui ça? Je me rappelle le numéro 7 qui donne au numéro 6. Hop, attention, le goal tient. Non, comment dirais-je, hors-jeu. Hors-jeu, oui, c'est pas bien marqué. Nous sommes à la deuxième mi-temps. Un but partout. On ne sait pas qui va emporter ce, ce... deuxième mi-temps. L'Africa domine. Hassan passe à Sen. Sen passe, comment dirais-je, à Rustico qui dégage là-bas. Et moi, Eddie Constantine, je suis aussi élégant. Je regarde ces beaux jeunes filles, ces belles jeunes filles là. Voilà trois jeunes filles. Tiens, ça, mademoiselle, ce soir vous passez chez moi. Ça, il faut être sûr de ça. Aujourd'hui, je gagne. Je vais avec une fille. Alors, chérie, le match continue. Et moi, je suis là avec les filles. L'Africa gagne et je gagne une femme. Il y a des gens qui prient. Oh, ça parle quoi de prier, 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 toujours prier. C'est l'amour après la prière. Il faut avoir une femme avant de prier. Priez, vous avez le temps. Ah, tiens, maintenant il faut aller à la Goumbé. Tarjan, il faut oublier quand même ces gères de tristesse. C'est la danse à nous autres, ça. C'est ça qui nous plaît. C'est encore plus, plus que... Et, comment dire... Oh, bon sens, bon... La Goumbé. La Goumbé, c'est une société, c'est plutôt un ensemble d'orchestres et de jeunes danseurs et spécialistes qui sont spécialisés pour cette danse. Les filles s'habillent de la même façon, les garçons de même. Tout le monde s'habille de la même façon. Et la cotisation se paye mensuellement 50 francs par mois. Et puis on met la reine de Goumbé le jour de danse dans une voiture et puis un haut-parleur en haut. Elle chante. Dans la Goumbé, il y a une discipline absolue. Il faut la discipline. Il faut que les filles soient disciplinées. Monsieur Eddie Constantine. Et en même temps, la souplesse aussi. Il faut être souple pour danser. Non, mais moi, je ne te parle pas de souplesse. C'est que je vois seulement que les filles sont disciplinées ici. Tu vois? Même pour parler à un de ces messieurs-là, il faut que mademoiselle se mette à genoux. Mais oui, cadeau, c'est une société. Ah, un membre de la société est venu et il salue tout le monde. Parce que sinon, il va payer 100 francs au lieu de 50 francs pour cotisation mensuelle. Ah, ça, ce sont les amateurs de danse. Ce sont les amateurs. Et pour s'habiller, ils s'habillent en cowboy pour se différencier des autres. Thank you.
Ça, ce sont les champions à bicyclette. C'est eux qui font le machin à bicyclette, qui font la danse à bicyclette. Les sports à vélo. C'est la danse à vélo maintenant. Et pour les Camboyos de la Goumbé, c'est la bicyclette que le cheval. C'est la bicyclette que leurs chevaux pour eux. Ah, vraiment, tu vois comment il fait? Textuellement, comme les Cowboys font au Texas avec leurs chevaux. C'est la même chose. Je vous affirme. Ça, c'est reçu. Combien tu le notes? Moi, je le note 10 sur 10. C'est bon. Oh, 8. 8 sur 10. Ça, c'est du kilo. Quand même. Ah, voilà. Ça, c'est bien, ça. Oh, c'est bien. Et 500 francs cadeau. Ça, c'est bien. Merci, monsieur, de l'avoir donné ce cadeau-là. Il le mérite. Et à l'autre aussi, 400 francs. Maintenant la nuit tombe et je crois que maintenant c'est les garçons et filles, ce n'est pas histoire de vélo. Et monsieur Eli Constantine, agent fédéral américain, je crois que c'est votre tour. C'est vous qui va danser maintenant. C'est vous que je veux voir, c'est vous que je vais citer. Vive l'Aurel Goumbé. Maintenant c'est mon tour, Edouard G. Robinson. Tiens celle-là, c'est moi qui danse comme ça. Nathalie, Nathalie, une jeune fille d'Adjami. Cette fille je l'aime. Tiens, on danse. Nous dansons. Quelle danse? On crâne des rôles. C'est formidable. Tiens. Tiens, tcha tcha tcha. Ça, c'est bien. Tremble, regarde-moi. Nathalie, Nathalie, Nathalie. Tcha tcha tcha. On crâne des rôles. En ce moment-là, comment allez-vous, mademoiselle? En ce moment-là, tout va bien. Alors, comment ça passe? Tout va bien. Tapis, 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 je te dis. Joue, joue, joue. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Et maintenant, grand concours de Goumbé opposant Edouard Constantine à Nathalie contre Amadou Silibé et Mademoiselle Mariam. C'est moi qui gagne avec Nathalie. Regardez comme elle est belle. Je n'aime pas les femmes vilaines, moi. Puisque je suis beau, j'aime les femmes belles. Tiens, elle s'est tournée, elle danse. Elle est souple. Ah! Tiens, viens avec moi. Ouais, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est ça, à la fin, à la maison. Bravo, Constantine! Ça, c'est très bien, Eli. Allez, Yamoumé. Je te dis que je gagne. Avec les femmes, c'est moi qui gagne. Comme tiens, toi, et je gagne. Et c'est bon. Et je gagne. Nathalie, tiens, ça, tu vois, bien. Elle m'aime. Et je l'aime vraiment, cette fille. Bien, ça. C'est bon, ça. C'est ça, tu as vu. Elle sait danser comme moi. Elle est tic-tac de danse. Tu as vu. Allez, vas-y. C'est ça, en bas. C'est ça. Et maintenant, Eli Constantine est le roi de la Goumbé. Vive les Nigériens. Eli Constantine a gagné la Goumbé. Il est le roi de la Goumbé. Et moi, pauvre Edouard G. Robinson, je m'en vais voir mes chers Nigériens qui commencent aussi des pauvres parce que ils font leur danse à la lueur de l'âme tempête. Je m'en vais au désert pour fêter la victoire d'Eddie Constantine qui m'a invité avec lui pour sa victoire. Au désert, à la victoire d'Eddie Constantine gagnant la Goumbé. Mademoiselle, j'ai une chose à vous dire. Hier soir, en passant par votre porte, cette chose me frappe à la figure, donc j'ai eu honte de vous poser cette candidature. Et je vous dis la vérité, mademoiselle, je vous aime.
Je vous aime la vérité. Vraiment, l'amour est une chose éternelle. Il faut le savoir, mademoiselle. Et l'amour est une maladie que les docteurs ne sont pas. Vous le savez. Donc, aimez-moi comme je vous aime. Aimez-moi et vivons à la santé de notre victoire. Ben, je crois que la beauté d'un garçon se trouve dans sa poche. Allons danser, mademoiselle. Tiens, regardez son pont arrière, comme ça remue. On dirait un serpent. C'est formidable, cette fille. À votre santé, mademoiselle Dorothy Lamour. On vide tout ici. Même les verres deviendront déserts. Tu sais, Dorothy Lamour, moi vraiment je t'aime. Franchement parlé. J'ai fait tout le tour du monde, j'ai jamais vu une fille aussi ravissante, n'est-ce pas, comme toi. Je t'aime, je t'affirme. Vraiment. Tu vois, ces gens-là, mon vieux, pour t'occuper de rien, tu sais. Ils sont deux et nous aussi, on peut faire notre affaire, tu sais. Non, vraiment, Gambi, vraiment, je te le dis, hein, Dorothy, que... Enfin, il faut décider, mon vieux. Tu sais, hein? Ça va pas, hein? Si, tu vois. Je t'affirme, hein, vraiment, je t'aime. Tu es la lumière de ma vie, je te le dis. J'étais en France, en Indochine, partout. J'ai jamais vu une femme aussi ravissante comme toi. Jamais au monde. Non, mais ce n'est pas le paradis, c'est la vérité. Je t'affirme, hein. Je te l'affirme que vraiment, moi, je t'aime. Hein. Oh, faut pas jouer la comédie. Alors, qu'est-ce que vous en dites? On danse, on... Il vaut mieux rester boire que de danser. Oh, voilà. Mon vieux a toujours ces sales Italiens, ces historiens. T'occupes pas de lui, Dominique. Faut pas toucher cette bière, c'est moi qui la paye. Hein. Dites-lui de ne pas toucher à ma bière, c'est moi qui l'ai payé. Avec ce singe-là, ce stronzo, mais non, il devient brut. Guarda-là. Va pas avec lui, faut pas partir. Oh, mais mince alors. Ils sont emmerdants, ces gens-là, ces Italiens-là. Bien. Bon, empêchez-moi de boire ma bière aussi. Quoi? 4000? Si vous êtes italien, vous êtes bordel, hein, n'est-ce pas, venir me prendre ma Dorothy? Oui, ma bière, vous ne pouvez pas la prendre. Ah, ça, ça va. Vous vous faire voir, hein. Arrivederci. D'ailleurs, allez-y vous faire la vie. Io faccio de moro. Moi, je vous emmerde. Les saluto. Toi de jouer Caraga, mon cher Eddy. Et Dorothy Lamour. Non, je ne sais pas, mais ça ne fait rien. Alors c'est ça. C'est pour ça que la pagaille. Voici notre travail. Pour nous, c'est ça. Faire le manœuvre, désherbage et tout. Ranger les routes. Voici notre travail. Le cinéma, non, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous les pauvres. Les autres sont riches. Ils rentrent en bicyclette, en vélo moteur à la maison. Bandia et Wendy, ça c'est très bien ça, la vie des gamilaires. C'est la vie, c'est notre vie, c'est bon. Allez, on y va. Allez, contentez-vous de ma veste et puis ne me dites rien, je n'ai pas d'argent. Contentez-vous de ma veste. Ouais. Mais quand c'est...
Je m'en prie. Vous me renvoyez, je m'en vais, d'accord? Mais vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller, n'est-ce pas, hein, à Mexico, salaud. C'est quoi plus belle que Dorothy? Elle peut se faire laver, cette petite bordel. C'est quoi encore beaucoup plus... Oh, allez, allez! Je n'aime pas d'histoire, vous pouvez tous vous taire, laissez-moi boire. En paix, je n'aime pas d'histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux te faire voir. Allez, regarde-moi ça, sale machin. Et là, c'est Nichon, là. Est-ce qu'elle est belle, hein? Eh, hey, t'as qu'à apprendre à t'asseoir. Bien? Oh, va te faire voir, je te crois encore beaucoup plus jolie que Dorothy. Quoi? Payer quoi? Quoi, il faut qu'on paye encore la bière? Il faut... Je n'en ai pas. Trècheville est très grand, les bars n'y manquent pas. Mais laissez-moi, vous êtes fous, qu'est-ce que vous faites? Vous autres, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes fous? Oh, laissez-moi. Vous serez capable de me foutre à la porte. Mais vous ne m'empêcherez pas de rentrer voir ma Dorothy l'amour. Bientôt, je serai le mari de Dorothy l'amour. Dorothy l'amour sera ma femme. Et moi serai un acteur comme Marlon Brando. Et Dorothy l'amour m'attendra devant ma porte, puisque en ce moment, la maison pourrait m'appartenir. Et je serai le maître de la maison. Et pour femme, Dorothy l'amour. Elle m'attendra toujours. Et la nuit, elle ferme la porte. On ne veut pas du dérangement, on est tranquille. Et dans notre maison, en personne, j'aime à Dorothy l'amour. Notre poste radio. Hein? Elle causera avec moi des mots d'amour. Elle sortira sa robe, puisque j'aime voir ses nichons. Elle a soif d'amour. Là, sur notre lit, ce que nous allons faire, ne regarde que nous seuls. Le lundi, aucun rêve n'a plus cours. Robinson n'est pas un champion de boxe. Constantine n'est pas Lemmy Cochon, agent fédéral américain, du moins pour la police d'Abidjan. Et pour Edward J. Robinson, c'est le jour de vérité. Discours-moi, mademoiselle, discours-moi. Les jeunes gens d'Abidjan, les jeunes filles d'Abidjan, ils sont discours-moi. Ah, le putain, moi je l'aime comme cela, Obin. Ah, le putain, moi je l'aime comme cela, Obin. Ah, le bordel, moi je l'aime comme cela. Ils sont discours-moi, souvenir, j'ai pas. Et mon vieux, pas encore réveillé ma Dorothy. Alors, Dorothy l'amour, ouvre la porte ou qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Ouvrez-moi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu dois ouvrir la porte, non? Fils de chien de sauvage, et je te casse. Va, 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 va,
Il n'y a pas de toilette. Si, tous. Si, vattene, vattene. Écoutez, avec cette bouteille-là, je finirai par te casser la tête et puis tu seras tranquille. D'être des cons, on va. Si c'est pas saoulé, tu es capable de te bagarrer avec moi. Imbécile, tu sais pas que je m'appelle Rachiga Robinson? Oui, tu peux nettoyer ta bouche, tu n'as même pas bien gagné, tu penses. Tu auras ta place et c'est pas avec moi que tu dois te battre. Et tu n'es pas, hein? Je t'ai pas saoulé, je n'ai pas à me battre avec des gazilles comme toi. Tu sais que je suis sous aujourd'hui, cause pour laquelle tu te fous de moi. De moi, je m'en fous. Bonjour, monsieur Elite. Allô, facteur, ça va? Oh non, ce n'est rien, je me suis battu avec un sale italien. J'ai oublié d'enlever même la terre là, qui est sur ma tête. Pauvre Constantine, il est en prison, fermé. Comment? Qui ça, il dit Constantine? C'est bagarre avec qui, la police? Mais c'est pas possible. Ils l'ont amené où ça? En prison? Il faut encore demander des audiences. Voir le procureur peut-être? Où faut-il passer? Qu'il faut voir au juste? Bon ben, on va essayer de donner un peu de l'argent. J'ai une petite économie qui me fait 1000 francs, mais je donnerai 200 francs au moins. Bon, alors va t'occuper, va le chercher. Hein, nous, on va aller chercher de l'argent. Toute la journée, il a plu. Et moi, je pensais à mon copain Eddie Constantine qui est en tôle. Toute la journée, il a plu. Et le soleil n'est revenu qu'à la fin de l'après-midi. Et à la sortie du travail, Tarjan et Petit Gilles et moi, nous sommes allés à la prison pour voir Eddie Constantine. Notre copain est prisonnier, copain est en prison, 3 mois d'emprisonnement, 3 mois de... Rien que ce bagage de la force publique, ça c'est ça, force publique. Hop, qu'est-ce qu'on est venu foutre ici en Côte d'Ivoire? Vraiment, on a été trop trompés même. Nous n'avons pas de maison, petit Gilles, tu vois. Nous couchons sur les rues, au marché, dans les trottoirs, les os sont heureux, regarde comment ils vivent. Et pour nous, il y a autre chose, rien que la prison. Et pendant 3 mois, Eddie Constantine sera uniquement dans cette tôle-là, dans cette maison blanche, cette mauvaise maison que je déteste, moi. Tout ça, ce n'est rien, mais quand même, oh. Au revoir, Tarjan, va prendre ton taxi. Et pour nous autres, laisse-nous ici, nous allons réfléchir un peu, un moment encore. Nous allons voir. Petit Gilles, regarde tout cela, regarde ça, ça te fait souvenir à quoi? La lagune, là. À quoi ça te ressemble? Dis-moi que la lagune te ressemble aux choses. Que ça te ressemble à Niamey. Notre pays natal. Là où tu es né, là où je suis né. Là ton père est né ou mon père est né. Regarde le Niger. Veux-tu dire, oh, que c'est merveilleux. Que c'est bon d'être au Niger. À Tondoumbié, par exemple, quand on était enfant. C'est là qu'on se baignait tous. Les enfants. Tout le monde, tous les jeunes. Les filles, les garçons et tout le monde. En ce moment-là, petit Gilles, devrait-il l'amour là que tu vois n'était qu'une petite fille. Et moi, je n'étais qu'un petit garçon toujours souriant. Faut pas voir parce qu'aujourd'hui je suis triste. Avant, j'étais toujours gay. En ce moment, je m'amusais avec Dorothy l'amour. Nous jouons dans l'eau, nous plongeons, nous faisons tout. En ce moment, pour nous, la vie est belle. Voici Eddie Constantine. Depuis
En tant jeune, il appelle l'élégance. Nous, on était nus, lui, s'en fichait pour se montrer encore plus élégant que nous. Il porte le pétou, le caleçon. Voilà Tarjan. Déjà costaud, il est beaucoup plus grand que nous autres. Tarjan est fort depuis l'enfance. Il n'y a pas moins, il faut qu'il se mette à 3, à 4 pour le lancer à l'eau. Il n'y a rien à faire. Tarjan résiste. Ah, si c'était à ce moment-là, cette heure actuelle. Oh. Je te dis, petit Jules, la vie est compliquée. Très compliquée même pour nous autres. Mais non, mon cher, je ne suis pas à ton boumier. Je suis dans un bordel, dans un piteur, dans un pays que rien ne m'arrache. J'ai fait tout dans la vie, j'ai fait tout. Tu sais, petit Jules, que j'ai fait la guerre d'Indochine. J'ai tué les vitamines à la mitraillette, au couteau, avec tout, à la grenade. Et voilà comment on prend les grenades. On les lance et tout de suite, on plaque à terre. J'ai resté à cela, ça ne m'a rien servi, petit Jules. J'ai tout fait, tout, mais rien ne m'a servi. Comment vient? Je ne sais pas pour moi. Pour moi, j'ai fait tout. Tout ce que les hommes doivent faire, je le fais. Mais s'il n'a rien aucune importance, je suis toujours la même chose. Voilà, on fait coucher, debout, ramper, lancer les grenades, à l'avant, coucher, tout. Que ça ne te fait pas peur, petit Jules? Je te dis que c'est ça. Tout, on tue les gens. 5000 personnes. On se cache derrière les bois, derrière tout. Dans les buissons, et nous faisions aussi les embuscades, nous faisions tout. Ce n'est rien ça, petit Jules. On a fait tout, beaucoup d'autres encore. Tuer des gens. Écoute, petit Jules, pour tuer un vêtement, tu enlèves seulement ton côté et paf, paf, tu le fous à terre. Et je dis à mon capitaine, je veux voir couler le sang jusqu'aux deux rangs. Et je l'ai vu couler. Le sang, j'ai vu couler le sang. J'ai vu le sang couler. Et j'ai vu des copains mourir à 2 mètres de moi. J'ai vu les copains qui nous buvions le café, après avoir fini de boire le café, meurent sur place. Et tout cela, pourquoi? Pour rien, mon vieux. Et tout de suite, comme je marche avec toi là, je suis tombé. Mais non, je suis mort. Qu'est-ce qu'il y a, un éclat de grenade, un éclat d'obus? N'aie pas peur, petit Gilles. Je t'ai dit seulement qu'en Indochine, c'est ainsi. Je marche avec toi, tout de suite, je tombe mort. Mais à quoi ça sert? Ça ne sert à rien, petit Gilles. Tout sera de rien, c'est la vie. Tout cela, ça ne sert à rien. Nous, nous ne sommes pas heureux. Les gars, ces gens-là, comme ils sont heureux, ils se permettent de monter sur du, je ne sais comment ça s'appelle en français, mais ils peuvent se faire voir. Tout ça, c'est rien. Ce sont de l'âge, peut-être. Moi, je me suis battu pour l'intérêt de la France. Et je suis courageux, je suis un homme. Je n'ai rien, je suis pauvre. Je suis pauvre, mais quand même, je suis courageux. Tout cela n'est rien, petit Gilles. Je n'ai pas de honte. Rentrons, petit Gilles. Tout cela n'est rien. Rentrons à la maison. Tout dépend de Dieu. Tout c'est Dieu. Si tu vois quelque chose de t'arriver, il ne faut rien dire. Il faut dire seulement que c'est Dieu. Regarde, on a fait un nouveau pont. Peut-être pour nous aussi va arriver une nouvelle fortune. Tout cela n'est rien. Tiens, petit Gilles. Tu vois ce qui est inscrit sur ma main? Danger. Je m'appelle l'homme Pacha Batium. Et je suis surnommé par mes copains Billy Jean, Dégari Jean, aviateur d'un camp parachute chef de Camboy. D18495. À 17 ans seulement, je suis un soldat deuxième classe. Qui dit danger? D, l'homme dangereux. 2, c'est nommé de mes copains d'enfance, Billy Jean, Dégari Jean, aviateur d'un camp parachute, chef de Camboy. Allons-y, petit Gilles. Tout cela n'est rien, c'est la vie. Peut-être la vie change ainsi. Faut pas voir parce qu'elle est compliquée. On est deux copains et nous resterons deux copains. La vie est bonne, la vie est belle, je veux te dire. Petit Gilles, tout cela n'est rien. Prends courage et nous serons peut-être bientôt heureux nous aussi. Que la vie est compliquée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'histoire de Trècheville est terminée. Mesdames, messieurs, au revoir et au revoir Trècheville. Le Cassantia Bay, Asiole, Ayadia Male, Asiole, Chérie le Cachacha Bay.